Sur le plateau de Girondin TV, on est très heureux d'accueillir Nicolas Fly. Nicolas Fly, ce nom ne vous dit rien. Ce visage, pour l'instant, non plus, mais patientez. Il est l'auteur d'un hymne à la gloire des Girondins de Bordeaux, d'un clip, d'une chanson que vous souhaitez promouvoir. Alors, vous l'avez peut-être entendu chez nos confrères de Gold FM, cette chanson. Vous l'avez peut-être vue sur TV7. On va vous la proposer dans quelques instants, mais juste d'un mot, Nicolas Fly, vous avez quel âge, vous venez d'où et pourquoi se lancer dans cette aventure? Alors, donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Marine Express. J'aurai 30 ans dans très peu de temps et je suis du côté de Saint-Étienne, un tout petit peu au nord du département. Donc, on reste dans l'amitié entre Bordeaux et Saint-Étienne. Et donc, on a voulu créer il y a quelques temps un single à la gloire des Bordelais. Oui, c'est quand même assez singulier, ça, d'être supporter des Girondins de Bordeaux à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Alors, surtout que ça fait quand même de nombreuses années, ouais. Puisque je vais avoir 30 ans et c'est depuis l'âge de 4 ans, donc c'est pas récent. Et c'est vrai que là-bas, c'est plutôt aller les verts. Et justement, c'est un petit peu l'idée qui m'a fait créer le single, c'est que depuis des années et des années, j'écoute les Stéphanois chanter leurs chansons qui c'est les plus forts, c'est les verts. Pas très loin, il y a les Lyonnais qui chantent qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Justement, je suis parti de cette idée-là en disant, et pourquoi à Bordeaux il n'y a pas de chansons, mis à part les chants de supporters, mais pourquoi il n'y a pas de chansons à la gloire des Gigi? Il y a un vide à combler. Tout à fait. Eh bien, on va écouter tout de suite votre chanson, Nicolas Fly, donc du groupe Marine Express. On écoute. Allez, Marine et Blanc, la victoire c'est maintenant.
sympa cette image de fin, Dominique Dropsier et Jean-Louis Gasset. Je n'avais pas vu cette image. C'était à quelle occasion? C'était un match de championnat. Un petit moment. Mais bon. C'était justement une manière de finir de manière un peu humoristique et de montrer que le sport, c'est aussi une histoire de groupe. Et on l'a vu justement dans les matchs ces derniers temps. Bon, Marine Express, le titre, c'est Girondin Forever, oui. J'imagine. Quel est un peu, parlez-nous un peu du style et de l'ambiance musicale, sonore que vous avez choisi. Alors justement, moi à la base, je suis DJ, donc je suis plutôt basé sur des sons plus électro, plus clubbing. Mais là, dans le cadre de ce single, on a voulu vraiment faire un son populaire. C'est-à-dire qu'on cherchait à viser tous les publics, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. On cherchait à ce que tout le monde puisse s'identifier dans ce morceau-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu garder un son plus rock, vraiment à base de guitare. On avait fait une première version justement déjà au début de l'année. On a fait quelques petites corrections et là donc c'est la deuxième version qui a été mise en ligne. Et quels sont les retours là par rapport à cette hymne? Alors justement on a eu déjà des bons premiers retours puisqu'on l'avait mise en ligne justement au mois de mars-avril sous sa première version et en à peine 15 jours sans aucun coup de pub, si ce n'est le marquer sur des liens comme Facebook ou des choses comme ça. On a eu plus de 20 000 vues sur YouTube, ce qui nous avait classé dans le top 3 des vidéos sportives. Donc c'était vraiment déjà une bonne première avancée. C'est là justement qu'on a commencé à intéresser les médias et c'est là qu'on a eu les premiers retours de personnes qui nous disaient bah, corriger peut-être un petit peu ci, un petit peu ça. On a intégré donc un peu plus de guitare rock et tout en voulant garder ce côté vraiment tout public. Rien ne nous empêchera plus tard, s'il y a un intérêt encore plus fort, de pouvoir faire des versions plus club. Qu'est-ce qu'on vous demandait dans les retours en fait, qui vous était adressé? Disons que la première version, il n'y avait pas ce son guitare rock. D'accord, qu'on écoute, le léger riff qu'on entend derrière. Voilà, tout à fait. Il n'y était pas, c'était plus des sons de synthé, mm-hmm. Et ça faisait peut-être un peu moins punchy, justement. D'accord. Donc on a voulu mettre ce côté-là par le biais des guitares. Alors moi, par contre, dans le clip, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est les images où on voit la fanfare avec la clarinette. C'est une référence à quoi? Ça, au sud-ouest, justement. Au bandas? Il y a quelques petits sons, justement, qu'on écoute derrière de cuivre. On a voulu leur rendre un petit hommage. C'était une des. D'accord. C'était des bandas qui étaient là au Stade de France pour les finales de Coupe de la Ligue. Donc, on a voulu faire un petit hommage aussi référence à la région. Bon, et d'où vous est venue cette idée? Alors, vous l'avez dit, vous êtes passionné depuis des Girondins de Bordeaux depuis que vous avez 4 ans. Alors déjà, expliquez-nous pourquoi. Et pourquoi 4 ans? Alors, on va remonter un petit peu dans les souvenirs de tout le monde. Justement, moi, je suis né en 80. Donc, à l'âge de 4 ans, c'était l'épopée des Girondins en Coupe des clubs champions à l'époque. Et notre entraîneur actuel pourrait en parler, justement. Et on est allé jusqu'en demi-finale, avant de perdre contre la Juve. D'un autre côté, il valait mieux quand on sait comment s'est passée la finale. Et donc, à cette époque-là, d'après ce que m'ont dit mes parents, j'étais en extase devant les Girondins à la télé. Et puis, ça s'est confirmé année après année. J'ai suivi les épopées des Girondins, même à distance, toutes les époques, les années 90, et puis des titres. J'étais là, justement, même, ça ne fait pas peur de faire des kilomètres, puisque j'étais là pour le titre Place des Quinconces il n'y a pas si longtemps que ça. On a revu quelques images. Voilà, et je viens assez souvent voir les Girondins au stade. Quelle est votre ambition pour ce clip? Alors, j'espère attirer justement le maximum de public en espérant que ça vous ait plu. Et puis à terme, que ça intéresse les médias et le club afin de le commercialiser et qu'on crée un single. Comme à l'époque des Stéphanois, ça a pu marcher, comme pour les Lyonnais. Il n'y a pas de raison qu'à Bordeaux, on ne soit pas capable de sortir un single pour nos Girondins. Bon, merci beaucoup Nicolas Flagg d'être venu sur notre plateau. C'est tout le mal qu'on vous souhaite que cette chanson, ce single, ce clip fasse son chemin. Merci à vous. Et puis reste dans la tête des supporters si possible, parce que j'imagine que c'est votre souhait le plus cher. Hein. Voilà. Le but, c'est que ça plaise surtout aux supporters. Voilà, et que Chaban-Delmas reprenne ça en cœur. Merci beaucoup. Mais on va se quitter, on va revoir le clip une fois encore. Avec plaisir. On va faire comme ça. Allez, merci. Le clip de Marine Express, Girondin Forever. Surpasser, ne rien lâcher, alors tous ensemble.